Et salut tout le monde, c'est Lacuneur. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire ce que je vous avais promis. Nous allons refaire l'aventure suivie en survie dans Minecraft. Car, comme je vous disais, j'étais pas mal en ce moment pendant les vacances. Là, en survie, j'étais assez bien, on va dire. Donc, on va faire un nouveau monde. Donc, j'ai mis aucune graine pour la génération du terrain. J'aurais pu vous montrer, mais bon, pourquoi j'ai pas montré? Je suis con. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, j'aurais peut-être dû mettre un coffre bonus. J'aime bien des fois, c'est ça plus vite. Mais... bon sûr, il y aura déjà pas de PNJ. Dommage. Alors, téléchargement du terrain. Donc, pour savoir où est-ce que je suis sur Ascentia. Donc, Minecraft Ascentia. Je suis pas en vanilla. Hein. Non, je crois pas. Il y aura, pour vous dire, hein, j'ai mis aucun mode. J'ai encore, comme un con, oublié de lancer le chrono. À chaque fois. Bon. On va avoir quelques gros lags, hein, au début. Mais après, avec Ascentia, ça va très bien, après. Donc, hop, on va aller chercher du bois. Et les cochons. J'ai fait une petite survie, la chute de la fuel fer. J'ai fait une partie, j'étais déjà fuel fer. Donc, à mon avis, ça va aller plutôt vite. Si c'est Ascentia, la crème moins, ça serait encore mieux. Donc moi avec mon pack de textures, ça rend ça. Après sans, je n'aime pas parce que quand on est habitué, au bout d'un moment, ça c'est chiant. Je déplace juste le micro. Bon, l'essentiel dans Minecraft, c'est le bois. Donc on va déjà en prendre pas mal. Hop, c'est bien. Hop, on fait un petit établi. On se fait une petite maison vite fait. Ça va peut-être faire. Je sais pas. On se fait une petite pioche. Et une petite épée. J'ai pas mis au bon endroit. Hop. On va aller tuer les cochons, c'est pour ça. On va quand même essayer de voir un peu de manger pour ce soir. Hop. Alors, hop. Parce que je me rappelle bien que dans notre. Oh, ouais, j'en ai déjà 5. On m'a dit, ils sont paradins ceux-là. J'en ai tué deux, j'en ai déjà 5. Je rappelle que dans l'aventure, la première aventure suivie qu'on avait fait, donc la saison 1, on va dire, j'étais. Ben, on avait fait qu'un truc, on avait fait qu'un épisode. Donc en fait, on avait rien. Ça, je me rappelle, on avait rien. On avait pas du tout de stuff, on avait rien, on n'avait pas de fer. Pourquoi j'arrive plus à avancer? C'est normal? Ah bah oui, j'appuie pas sur la bonne touche. Donc faut que je me réhabitue à du gravier, pas pour l'instant. Bon, on va faire une cabane vite fait. Hein. Voilà, ça, on va y appeler une cabane d'un noob. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ça va juste être pour le début, là, après on fera peut-être une maison en bois, comme on est pas mal dans une forêt, c'est bien. J'ai remarqué que sur le cimetière, on est souvent dans les forêts quand on n'a rien. C'est souvent ça. Ouais, j'ai repris mon établi. Hop. Ouais. J'ai remarqué aussi un truc, c'est que maintenant, quand on fait une porte, ça nous en donne plus qu'une, au lieu de trois, si je dis pas de bêtises. Avant, ça nous en donnait 3. C'est ça. Maintenant, on n'en a plus qu'une. Donc, c'est vraiment des gros radins. Ça, c'est le cas de le dire. Alors, hop, on va les miner un petit coup pour avoir quelques trucs. Déjà pour avoir un peu de pierre. Comme ça, on pourra se faire un petit fourneau. On a de la chance. On a directement. Hop, du charbon. On est chanceux aujourd'hui. Mine de 2 cubes et c'est bon. Je vais déjà en mettre quelques-uns.
Je suis en quoi? Je sais pas trop si je suis en normal ou en paisible. Au pire, je verrai. Je sais pas, au pire, je peux laisser en paisible parce que sur Cynthia, c'est assez chiant parce que après, si j'oublie que je sors un monde de Redstone, par exemple, et les slimes ont plaque qui ont cassé Redstone, c'est chiant. Après, c'est sûr que si je perds de la vie, bah, elle augmente directement, mais avec des mobs, augmentent pas tout de suite. Bon, on va dire qu'on en a eu assez. Souvent c'est ça en fait ça là... bon c'est normal et je vais peut-être des fois parler de choses complètement à l'ouest hein. En gros par exemple je peux parler de pierre et après je peux parler je sais pas moi de cochon parler de deux trucs différents à la fois donc. Ça vous m'en voudrez pas c'est ma manière on va se faire une petite pioche en pierre. Avec un petit fourneau, hop. Là, c'est, j'en ai oublié une. Un fourneau, hop, là. Qu'est-ce qu'on va se mettre ça? On se met un morceau de charbon. On va se faire une pioche en pierre, ça va aller plus vite. On va juste mettre ça aussi dedans. Ça va y brûler. J'essaie de me faire des torches parce que ma luminosité encore ça va mais au bout d'un moment ça va être chiant. J'ai quand même regardé option graphique luminosité ouais, visif c'est bon distance d'affichage c'est bon ici même un petit peu pour éviter qu'on lag fs maximum c'est bon. Un peu mieux ouais. En plus j'ai remarqué que là la luminosité était pas du tout dégueu parce que on voyait quand même plutôt bien même s'il faisait noir donc ça m'a assez plu ça. Voyez je sais pas si vous voyez bien vous moi je vois nickel ma vie j'aurais je vais quand même économiser pas mal de torches et de mettre tous les deux cubes bon, pour mettre plus moins. Enfin, plus loin, mais moins. Alors, j'aurais dû lancer mon chrono. Donc on est à 7 minutes 40. On a à peu près 8 minutes. En gros, 8 minutes, voilà. Lance ce chrono. Alors, je commence à plus y voir grand-chose. Quand même. Sauf là, c'est que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va tomber sur une grotte de merde. Désolé si j'emploie ces mots. Mais ça m'énerve là. On va bientôt creuser à la bedrock, à mon avis. Hein. Donc je sais pas si je vais faire une grande aventure, à mon avis. Si... Quand j'aurai déjà full de fer, ça sera déjà pas mal. Après, dès qu'on ira chercher un peu de diamant. Comme j'ai jamais trop trouvé de diamant en survie. Et bah, si j'en ai trouvé, mais ça fait quand même assez longtemps. Je sais plus si on peut casser le diamant avec une pioche en fer. D'habitude, il me semble qu'on peut, comme tous les minerais. Mais on peut pas y cacher qu'une pioche en pierre ni en bois. En même temps, ça serait un peu con. Ah, c'est bizarre. Ouais, de la terre ici. J'aime pas ça, bon, on a de la terre à ce niveau-là. On est où là en fait? 26. Il me semble pour le diamant, faut aller à la 7. Y7. C'est chiant en plus. Je sais pas trop où est-ce qu'on est. C'est quoi ça qu'on voit de la. Sur la carte. Qu'est-ce qu'on peut voir là pour m'indiquer? Je suis en train de me demander ce que c'est. Ce qu'on voit là, les genres de sentiers, c'est pas où qu'il y a des minerais, des grottes, je sais plus quoi. Pas où qu'il y a des grottes, un truc comme ça. Ah, je cherche sur un sentier pour un FR, un truc comme ça. Ou je demande sur un serve. Ouais, de la terre à cette hauteur, ça y est. C'est quoi ça? La terre à cette hauteur, j'en reviens pas.
Ah bah merde. Oh, je sais pas pourquoi il y a ça là. Oh putain, le stack de. Bon. Oh punaise. Putain, ça, je sais pas du tout c'est quoi. Savez quoi, on va sortir, on va aller essayer d'y trouver. J'espère juste qu'il fait pas noir dehors. Que j'aime pas quand il fait nuit, moi. On va essayer d'aller voir ça. À mon avis, il fait nuit déjà. Je sens qu'il fait nuit. Ça, hop, hop. Bidou, paf, 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 in time. Il fait pas nuit, c'est bien. Ouais, se mettre des trucs comme ça en pierre, ça sera juste bien nous dire que c'est là. On va sur ça, hop. Pourrait peut-être pas une maison, on va faire. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça se peut que ce soit ça, que ça m'indique. Ah, ça se peut encore. Oh, pas mal. On a une belle cavité. Hop, on va trouver pas mal de fer. Donc, moi, mon fer est représenté par ça. Je sais pas si. Voilà, quoi. Vous pouvez le voir. Je récupère. C'est du fer, hein. Minerai de fer. Voilà. Oh, c'est joli. Donc souvent, bon, avec le fer, je suis assez chanceux, j'en trouve souvent pas mal. Là, cette grotte, à mon avis, ne m'assure pas beaucoup, parce qu'elle n'a pas l'air de prendre beaucoup de choses. Pas l'air d'avoir grand-chose, là. On sort pas là. J'ai pas trop envie de sauter là parce qu'à mon avis je suis foutu après. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Faille? Oh, c'est mignon. C'est joli. On ira peut-être explorer avec un bateau quand on aura peut-être un petit peu de stuff. Oh putain. Waouh, j'ai failli tomber. On tombe? Attendez. On tombe ou pas? 1, 2, 3. Allez, bah merde, je suis vraiment tombé. Ouh. Ça a l'air d'être grand, ça, à mon avis. J'espère que j'aurai cette torche. Puis il me semble que j'ai du bois. Ah, encore du fer, j'en étais sûr qu'elle allait en avoir là. Il n'y a qu'à éviter comme ça, il y en a tout le temps. Ah, c'est vrai que j'avais dit. Ouais, bon, c'est bon. Donc, c'est bon, en fait, j'avais trouvé comment enregistrer plus de 15 minutes. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait sur YouTube pour pouvoir enregistrer plus longtemps. En gros, autant que je veux. Il me semble. Mais c'est plutôt bien. Les gens, on va récolter juste ce fer et après je vous laisserai pour l'épisode 2 une prochaine fois. Donc attendez, on va juste récolter ce fer. Dès que je le ferai fondre en attendant. Pour éviter de perdre pas mal de temps. Et d'habitude, ça sera pas mal. Donc, des vidéos avec Gun, à ma vie, encore très prochement, là. Bon, pas comparé à vous de temps, là, mais à moi, là, à mon avis, peut-être tout à l'heure. À moi, là, je ne sais pas, donc peut-être qu'elle sortira juste après celle-là, une vidéo avec Gun. Je serais super content, moi, d'en faire une encore avec lui, parce que une, voire plus.
Parce que c'est toujours aussi marrant de faire des vidéos avec lui. C'est pas aussi marrant de tomber. Si je tombe, là je suis dans la merde. C'est tout. J'espère que je vais tomber. Tombe pas, Luc. Tombe pas. Tombe pas, connard. Tombe pas. Tu tombes, t'es dans la merde. Oh, heureusement qu'il n'y avait pas encore un trou en dessous, parce que sinon j'étais foutu. J'étais foutu. Oh putain. Si après j'aurais juste à tomber dans l'eau. Donc 28, il me semble qu'on peut tous faire avec. On peut tout faire avec 28 fer. Qu'est-ce que j'en ai encore là? Tout à l'heure, j'ai pas pris. J'ai trop cru l'avoir vu tout à l'heure. J'ai pas bien compris à mon avis. Bon. 34, 35, 36, c'est pas mal. Maintenant, ce qui sera encore pas mal, que je trouve ma maison, que j'avais toute ma bouffe. Ah, mais attendez, c'est là. Ouais, faut que j'aille là, je crois. C'est un truc comme ça, hein, quand on est arrivé, hop. Sais pas pourquoi je vous demande ça, parce que là, je sais que vous n'avez pas trop me répondre. Vous pourriez, mais... Voilà, je parle un peu tout seul, pas qu'un peu, mais bon. Bon, à mon avis, on s'est un peu paumé. À mon avis, non, parce que quand on regarde la carte, c'est où qu'on est arrivé. Vu que, comme un con, je suis tombé. Ah, je suis tombé, ouais, si, je suis bien tombé, moi. Je voulais m'amortir la chute avec ça, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, un arbre. Alors, on va aller là. J'essaie de repasser par où on est arrivé. Si on retrouve. Donc là. Hop. Il me semble qu'on est arrivé de là. Étude. C'est ça. Ah, il y a des pierres. Je vais bientôt arriver. Et je vais pouvoir le faire fondre. Donc, sur ce. Ma cape. Sur ce, c'était sur Ascentia, là, l'épisode 1 de la saison 2 sur une aventure suivie en survie, comme j'arrive jamais à y dire. Donc, cette fois-là, sur Ascentia, j'étais assez content de refaire cette aventure, parce que j'ai trouvé qu'elle était pas super la dernière fois. Donc, ça m'a plutôt bien plu de la refaire. Et donc, j'espère que je pourrai en refaire plus souvent, parce que c'est un truc que j'aime bien. Donc, et sur ce, allez, bye bye.